Salut tout le monde, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous faire une ouverture de colis. Et du coup, vous avez les deux loulous qui en profitent pour venir vous faire un petit coucou. Voilà, écoutez, si ça vous intéresse de voir ce que j'ai reçu, là, je vous laisse regarder Alors, la suite. J'ai reçu ce colis-là ce matin. J'ai commandé sur le site Cosmetic for Less. J'aime beaucoup ce site. Donc voici comment se présente la livraison. Donc cette fois, c'est un livreur qui est venu le porter. Ça dépend. La dernière fois, je l'avais reçu sur par la poste. Et là, c'est un livreur qui est venu. Bref. Enfin bon. Là, voilà. Vous avez. Alors, c'est un site allemand. Alors, quand vous allez sur le site, vous choisissez, vous avez la langue soit allemand, soit anglais. Donc, moi je prends anglais, mais après c'est assez facile, hein, on s'y repère très facilement. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de marques dessus, et notamment Make-up Revolution, avec leur gamme Revolution Pro, I Love Earth. Vous avez Essence. Et d'autres marques, et franchement, ça vaut le coup. Donc là, vous avez au devant une petite carte qui donne normalement, quand vous vous inscrivez avec la newsletter, vous avez 5 euros de remise lors de votre première commande, ce qui est pas mal du tout. Donc c'est bien emballé, vous avez vu le petit papier là pour éviter que ça casse. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée avec le froid qui fait. J'ai attrapé un bon coup de froid. Hop, attention, pupus. Oh, tu vas jouer avec, c'est pas grave. Alors, j'ai commandé, j'ai pris des vernis. Il y a Essence qui a sorti une nouvelle collection, enfin deux. Une avec des glitters, mais je crois que ça fait peel-off. Donc, une fois que vous l'enlevez le vernis, vous n'avez qu'à l'enlever en grattant. Et une autre collection holographique qui s'appelle Cosmetic Light. Donc, j'ai pris trois vernis. Parce que, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que je suis une fan des vernis holographiques. J'en ai pas mal. Et Essence, j'aime bien. C'est une marque que je découvre peu à peu, hein, parce que je connais surtout leurs produits pour le teint, en maquillage et en vernis. Je découvre peu à peu. Et là, je me suis pris. Bon, j'ai pas pris toute la collection, hein. J'ai pris trois vernis. Alors, ça se présente comme ceci. Là, j'ai pris donc un rosé. Je sais pas si. Ah, si, là, vous voyez, on voit un peu les reflets, les petites particules holographiques. J'ai pris le rose, j'ai pris un doré. Ah voilà, là on voit bien. Et un vert, parce que je me suis dit ça serait très très bien pour cette période-là, pour les fêtes. Alors bien sûr, j'essaye de prendre dans des tons que je n'ai pas, enfin dans les tons. Non, parce que j'ai des bleus, des verts, mais je veux dire des couleurs différentes quand même. Voilà, j'ai déjà des verts, mais pas un vert comme ça, ni un rose. Par contre, en doré, en holographique, c'est le seul que j'ai. Et je trouve vraiment très très beau dedans. Quand on regarde comme ça, on voit un peu, on voit bien les particules colorées. Ensuite, j'ai commandé chez W7 un eyeliner couleur métal. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, le petit pinceau, il est tout fin. Voilà, pour le coup, hop, puisque je m'en suis mis, on va voir ce que ça donne la couleur. Oh, très très joli. Très très joli. J'aime beaucoup pour les fêtes, ou même si je veux faire un maquillage un peu plus fun, ou même un petit touche en coin interne de l'œil. Franchement, très joli. Et c'est donc ils appellent ça donc. Pétale to the metal. Alors il y a d'autres couleurs. Moi j'ai pris le doré parce que c'est vrai que c'est pas mal et c'est la période des fêtes. Ensuite j'ai pris. Alors chez Make-up Revolution. Ils ont sorti des petites pépites. Enfin pour moi. Hein, et puis les fans de maquillage vont peut-être penser la même chose. Donc déjà ce sont des fards
on va dire en glitter, mais en glitter. J'ai pris deux fois le même. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, excusez-moi, je crois que je me suis trompée quand j'ai. Oh non, il y en a un plus foncé, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais pris le même, deux fois le même. Bah si, j'ai pris deux fois le même. Oh, quelle quiche! Bon, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça servira pour un concours. Ce sont des fards. Des glitters pressés en fard. Donc, pour faire des maquillages assez brillants, on va dire. Idéal pour les fêtes. Donc, ça se présente en petite boîte comme ça. Et donc, j'ai pris un orangé. C'est bizarre. Faut que je regarde. J'ai pas la. Excusez-moi, mais en même temps, je vérifie. Mais c'est bizarre. Pas pris du tout, faut que je regarde sur la commande. Ah ben si, j'ai pris deux fois le même et c'est bizarre. J'avais pourtant cliqué sur deux couleurs différentes. Ça, je comprends pas. Bref, c'est pas grave. Donc ça se présente comme ceci. Bon, c'est fermé, mais c'est pas grave. Je vais l'ouvrir puisque je vais tester. Alors voilà comment ça se présente. Regardez-moi cette couleur, comment elle est magnifique et comment ça brille. Ce sont des paillettes, des glitters en fait, vous voyez. Oh, magnifique. Et il y a plein, plein, plein de couleurs. Bon, je referme pour ne pas mettre partout. J'aime beaucoup en plus la petite présentation. Je trouve très sympa comme ça. Et donc, bah, celles-ci, hein, ce sont les. Mince. Ah, crotte. Ce sont les Glitter Past. Feels like fire. Voilà. Et donc, du coup, bah, comme je me suis trompée, j'ai pris le deuxième, je vais le mettre de côté, ça sera pour offrir. Et j'ai pris ceux-ci, qui sont des pigments. Ils ont pas mal, ils sortaient des couleurs aussi sympas. Donc, celui-ci, c'est un petit. Comment? Un peu. Pearl mauve. Donc, vous avez le petit. Tambour. Oups! Mince. Avec les petits trous. Je pense doit être mais c'est scotché pour fermer donc c'est pas grave. Hop. Voyons. Voilà, ouais, très très joli, vous voyez, on voit ça comment ça brille. J'aime beaucoup la présentation aussi, c'est vraiment très très joli. Et donc ce sont les Rétrospecte, ça s'appelle, et ce sont les glitter bombes. Pour finir, j'ai pris chez Essence ceci, et c'est en fait une colle pour fossiles, tout simplement. Donc je l'ai pris parce que ça se présente, voyez, comme ceci. J'aime bien, j'ai des fossiles de leur marque et ils ont le petit tube comme ça et j'aime beaucoup. Je la trouve pas mal. Donc quand j'ai vu qu'ils avaient ça, je me suis dit je vais le prendre parce que. Ah ouais, j'aime bien. Voilà comment ça se présente. Un petit bout, on dirait comme les glosses en fait. Oh, puis en plus, il n'y a aucune odeur. Alors ça, j'aime beaucoup parce que des fois, il y a des colles à fossiles qui sentent vraiment beaucoup. Et donc c'est vraiment vraiment pas mal. C'est blanc et après bah, ça devient transparent. Voilà, donc c'est spécial fossile. Parce que là, c'est marqué. Alors bien sûr, c'est pas écrit en français, mais ça veut dire fossile. Et j'ai eu droit de choisir parce que quand on fait des commandes, on peut avoir des espèces de points, il me semble.
Et après, selon ce qu'on a, on peut commander, ils mettent, alors soit on met, il y a un petit endroit pour mettre un code promo, et en bas, on peut mettre ce qu'ils appellent, je crois que c'est un gif promo ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est dans, il y a une liste de produits gratuits selon le nombre le montant de la commande, et je pense que c'est le nombre de points qu'on doit avoir. Et donc là, je me suis pris en fait une petite palette comme ceci de chez Essence qu'ils avaient. Et c'est la palette de fard à paupières Essence Be My Highlight. Donc en fait, ce sont normalement des fards à paupières Highlight. En fait, c'est très mignon. Voilà. Il est très joli et ce sont des. Voilà, alors Essence Be My Highlight contient 4 teintes hautement pigmentées qui chargent les paupières de séduisantes nuances métallisées. Les couleurs parfaitement accordées peuvent être combinées entre elles. Astuce, appliquer sur les joues pour un all-over glow magnifique. Alors j'aime beaucoup la petite présentation. Ah puis en fait ça s'ouvre. Ouais, c'est pas mal du tout. Ah c'est mignon, j'aime bien. Franchement, elle est très jolie. Vous avez voilà le petit miroir en forme de cœur et voilà les couleurs. Donc il y a un blanc, un rosé, un gris. Un rosé pêche plutôt un peu nude. Le blanc et le rose, ça peut être pas mal du tout. Alors, vous avez une petite protection dessus. Si j'arrive à l'ouvrir, j'ai déjà mis 5 minutes à ouvrir le colis. Ah bah pour être bien emballé, c'est bien emballé. Vous pouvez commander sans souci. Risquez pas d'avoir de casse. Bon, et maintenant, la fille qui sait pas ouvrir les palettes de maquillage. Hop. Voilà. Alors, je vais faire. Donc, on va regarder hein, le gris. Le pêche nude. Le blanc. Et le rosé. Eh bien, franchement, je ne sais pas vous, mais je trouve que la pigmentation, elle est pas mal du tout. Pas mal, pas mal du tout. Bon, je vais faire comme ça. C'est sympa. Puis franchement, c'est discret, hein. Vous voyez, les personnes qui aiment et qui ont un peu peur de highlight trop fort, franchement, cette palette, je vous la conseille. Vous pouvez aussi, elle se trouve aussi, elle est en vente, hein, mais voilà. Vous voyez, c'est très léger. Donc je pense que même si vous voulez en utiliser quelques-uns en highlighter, c'est pas mal. Et là, franchement, je pense qu'en touche lumière pour faire de jolis maquillages, même pour les fêtes, ça va être sympa comme tout. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc la facture, et ils nous ont mis un petit truc de code aussi, mais bon, voilà, c'est un site de trucs de photos, je pense, pour faire les albums photos, les. C'est quoi ça? Un cadre photo qui c'est pas mal du tout ce genre de choses et développer les photos. Voilà, rien d'extraordinaire. Enfin bon. Donc voilà pour ce petit colis. Dites-moi si vous connaissez ce magasin, cette boutique, si vous avez déjà commandé dessus. Je sais qu'on peut regarder parce qu'il. Selon les boutiques, je sais que des fois, ils peuvent être un petit peu moins chers sur certains produits. Et franchement, ça vaut le coup parce qu'en plus, vous avez souvent là, par exemple, vous avez quand vous regardez des petits codes promo qui se mettent. Et en ce moment, c'est sur la livraison qu'il y a une petite remise. Donc, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Sinon, après, vous êtes quand même livré assez vite. Vous recevez un email pour vous dire. C'est préparé quand c'est parti. Là par exemple, j'aurais dû être livrée lundi. Malheureusement, je ne l'ai pas eu ce lundi, mais j'ai reçu un email du
livreur disant qu'il n'avait pas réussi à venir me livrer, donc il viendrait tel jour, et que dans le secteur, c'est entre telle heure et telle heure. Donc ici, c'est entre 11h et 14h. Et franchement, je trouve ça que c'est très très bien, vraiment très respectueux, parce que tous les services de livraison ne le font pas. Mais là, franchement, c'est très bien. Bah, ils étaient tout simplement bloqués au lundi. Hein, voilà, ça arrive avec les actions qu'il y a en ce moment. Mais bon, c'est pas gênant. Le principal, c'est de recevoir ses paquets. Donc, franchement, moi, je suis ravie. Surtout pour les produits Make Up Revolution que je découvre pas mal. Là, je sais qu'il y a une palette que j'ai vue parce que je cherche une palette de fard avec des tons dans les tons jaune et vert, mais qui se rapproche plus des tons, des teintes d'automne. Et ça, je n'en ai pas dans mes palettes. J'ai du vert et j'ai du jaune, mais c'est pas du tout fait pour la saison. Et mélangées ensemble, elles sont pas super jolies. Donc là, j'en ai trouvé une chez Make Up Revolution qui est pas mal du tout. Donc je verrai si je commence, je vous présenterai ça parce que franchement, elle est sympa et ça peut faire pour les franchement les fans de maquillage, de make-up qui veulent de jolies palettes et vraiment aussi à des prix raisonnables. Cette marque-là est très bien. Pour tout ce qui est fard et autres, c'est pareil. Hein, vous voyez ce type-là de produits, les pigments, tout. J'adore. Franchement, là, je suis ravie. Donc, j'ai plus qu'à tester tout ça. Et de toute façon, je vais commencer par les vernis. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous connaissez ces produits, si vous avez des chouchous aussi. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir à lire. Ou si vous avez des produits à tester ou que vous aimeriez peut-être que je teste dans certaines marques de ces gammes-là en tarif pas trop cher, on va dire, plutôt qui se rapproche à des marques de grande surface peut-être ou autre. S'il y a des produits ou des produits dans la marque Essence, Make Up Revolution ou autre que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser avec voilà, les loulous. Donc, on a la petite puce là qui se couche ici. L'autre monsieur, et, hein, ça c'est le gros pépère. Ah bah ils sont chauds, hein, il fait froid, alors c'est pas des chiens très... très vifs, très, ils sont pas tout d'extérieur. Voilà, bon, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.